Retour en direct sur le plateau de Village Semence en région, très exactement à Clermont-Ferrand. Nous sommes très cordialement invités par les établissements Limagrain. On les remercie beaucoup. On va parler d'un sujet extrêmement important, les changements climatiques et comment l'agriculture se prépare aux changements climatiques. Quelles transformations sont mises en œuvre pour justement essayer de répondre aux conséquences sur le monde agricole. Pour ça, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. Vincent Allard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'INRAE, responsable scientifique de la plateforme Phéno3C. Phéno3C, ça veut dire c'est quoi ? C'est une plateforme de phénotypage au champ sous contraintes climatiques, excusez-moi. D'accord, et c'est pleinement dans le sujet justement, comment est-ce que l'agriculture va s'adapter aux contraintes et aux changements climatiques. À ma droite, Marine Leschiuta, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission agro-climat au CIDAM. Qu'est-ce que c'est que le CIDAM ? C'est un organisme interdépartemental des chambres qui travaille à l'échelle du Massif central. D'accord, donc local, ça permet de voir ce qui est fait au niveau du Massif central dans le sujet des transformations climatiques. Vincent Allard, si on essaye déjà de dresser un petit portrait, je n'ai pas envie de dire national, mais du moins national et régional, des évolutions climatiques qu'on peut constater. C'est quoi ? Il fait plus chaud, il y a plus d'épisodes en rupture, beaucoup de pluie, beaucoup de chaud. Qu'est-ce qu'on peut définir ? Alors c'est les deux. Évidemment, il y a des évolutions tendancielles en lien avec l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire de plus en plus chaud et de plus en plus de sécheresse. Mais surtout, et ce qui est le plus problématique pour la production agricole et pour les agriculteurs, c'est une hausse de la variabilité interannuelle et de plus en plus d'épisodes extrêmes dans un sens ou dans l'autre, mais plutôt des épisodes extrêmes qui vont, là, pour les productions céréalières, vers plus de sécheresse et vers plus de chaleur extrême qui peuvent être très problématiques pour la production. Du coup, vous faites au sein de l'INRAE, l'idée c'est de quoi ? C'est d'essayer de se dire quelles solutions on peut essayer de trouver, de mettre en œuvre pour à la fois sur un plan technique, mais aussi peut-être avec des sélections variétales. J'imagine que c'est une vision un peu globale du sujet quand vous dites effectivement il y a plus d'épisodes de sécheresse et de pluie importantes. Ça va orienter des recherches ? Alors, à l'échelle de l'Institut, c'est l'échelle de l'Institut INRAE, effectivement, on travaille à tous les niveaux. Il y a pas mal de choses à faire au niveau agronomique, choix d'espèces, pratiques agricoles les plus adaptées pour contrer un petit peu cette évolution climatique. Mais nous, ce qu'on fait à Clermont-Ferrand, dans mon laboratoire, c'est à l'échelle variétale, c'est-à-dire d'essayer d'identifier des caractères à mettre dans les variétés pour qu'elles soient plus adaptées à ces nouveaux climats. Scanner les variétés existantes pour voir laquelle a une meilleure résistance au chaud, par exemple, va consommer un peu moins d'eau, c'est ça, pour la croiser avec une autre, pour finalement donner naissance à une nouvelle variété qui va être plus en capacité de répondre aux transformations climatiques, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on scanne la diversité existante. On a la chance dans notre laboratoire d'avoir accès à une très grande diversité, hein, parce qu'on a un sens de ressources biologiques, je crois que vous en avez parlé. On met ces variétés dans des conditions où on impose nous-mêmes un stress très contrôlé. On verra que ça peut être des stress hydriques, des stress thermiques. Mais vous créez les conditions réelles de l'environnement pour voir comment la variété va réagir. C'est ça, on a des outils qui nous permettent de nous projeter un petit peu dans le temps. Pour le stress hydrique, on a des outils à grande échelle qui nous permettent de simuler des sécheresses très fortes. Ce qu'on voit à l'image d'ailleurs, effectivement, ça ce sont les locaux extérieurs et qui se couvrent d'après ce que je découvre, où là, vous allez pouvoir recréer des conditions, c'est ça, de stress climatique, de stress hydrique, etc. C'est ça ? C'est ça, c'est des abris mobiles qui permettent de manière très très contrôlée, imposer des sécheresses très fortes. Sur un grand nombre de génotypes de blé. D'accord. On a à côté le pendant, ce qu'on appelle le contrôle, c'est-à-dire en conditions normales et réelles pour le climat d'aujourd'hui, voire même irriguer s'il y a besoin. Et la comparaison des deux nous permet de voir quelles sont les variétés
qui se comporte le mieux sous stress hydrique. Et on regarde évidemment, on le voyait aussi sur les images, on regarde aussi d'autres stress, ou en tout cas des variables de l'environnement qui interagissent avec la sécheresse, c'est notamment le cas avec l'augmentation de la teneur en CO2. On a un système qui nous permet de regarder en même temps la sécheresse et l'évolution de la teneur en CO2. Alors, avant de parler des quelques résultats et de ce qu'on peut tirer comme expérience de ce que vous menez, je m'adresse à Marine Lescuta. Je rappelle, vous êtes chargée de mission agroclimat au CIDAM. Vous, concrètement, et alors vous pilotez, je crois, vous travaillez sur un projet particulier qui s'appelle le projet AP3C, qui c'est de l'adaptation des pratiques culturel, je crois. Qu'est-ce que c'est en détail? Du coup, AP3C, c'est pour adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. Oui. C'est un projet qui existe depuis 6 ans, qui est piloté par le CIDAM en partenariat avec 11 chambres départementales du Massif Central. Et on travaille également en collaboration avec l'IDEL. Aujourd'hui, la force du projet, en fait, c'est qu'on a un climatologue de Météo France qui est mis à disposition sur le projet et qui nous produit nos propres projections climatiques, agroclimatiques. C'est-à-dire que quand le projet est né en 2015, on a acheté des données quotidiennes observées, des données météo quotidiennes observées entre 1980 et 2015, qui proviennent d'une centaine de stations météo réparties sur le Massif Central. D'accord. Et c'était un historique finalement de données météo qui permettait de voir en fait, un peu l'évolution. Pour caractériser un climat, il faut minimum 30 ans. Du coup, on a acheté minimum 30 ans de données. Et ce qui nous a permis, en fait, grâce à l'expertise climatique de notre climatologue, sur la base de ces données observées, de produire des projections climatiques et agroclimatiques à l'horizon 2050 et qui nous permettent, en fait, de comprendre l'évolution du climat à l'échelle du massif et les impacts de cette évolution du climat sur l'agriculture du Massif Central. Quand vous dites au niveau du massif, c'est global, mais vous avez des données plus affinées pour dire, par exemple, voilà, on est en 2021, si je ne dis pas de bêtises, en 2030, en 2040, à tel endroit, le climat va être plutôt comme ça, ça va être plus chaud à telle altitude, à tel emplacement, c'est ça? Je dis à l'échelle du massif parce que c'est un projet de territoire qui est à l'échelle du massif, mais on a la capacité, grâce à cette expertise climatique, de comprendre l'évolution du climat à l'échelle de la parcelle. De la parcelle. Ouais. C'est-à-dire va concerner directement l'agriculteur, quoi, finalement. Grâce à, c'est ça. L'objectif, c'était un projet. Le projet, à la base, est né du constat des agriculteurs que les événements exceptionnels n'étaient plus si exceptionnels que ça et qu'ils avaient la volonté d'être proactifs par rapport à ces évolutions du climat. D'accord. C'est pour ça, en fait, que le projet est né et le projet est à destination première des agriculteurs. Et les données qui sont produites aujourd'hui dans AP3C permettent aux agriculteurs du Massif Central de s'adapter au mieux à ce changement climatique grâce à des données qui correspondent en fait à leur département, à leur commune. Voilà. Important, Vincent Allard, d'avoir ces données-là justement qui sont un scan global, une analyse globale qui descend à un niveau très, très étroit, un maillage très étroit pour dire voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà ce qui va se produire, voilà quelles sont les conséquences des évolutions climatiques et donc voilà aussi peut-être quelles variétés de blé ou autres qu'il faut rechercher. On en discutait tout à l'heure hors champ, effectivement là c'est des données que nous on n'a pas à cette échelle-là, un maillage si fin. Et c'est vrai que ça peut vraiment être très intéressant de croiser ce type d'expertise parce que pouvoir se projeter à une échelle très fine au sein d'une région, ça permet aussi d'évaluer des choses qu'on ne sait pas encore faire. C'est en 2050, est-ce qu'il y aura assez d'eau en Limagne pour faire pousser ce qu'on veut y faire pousser? Est-ce qu'il y aura besoin de plus de réserves en eau? Est-ce que le niveau de nappalier sera suffisant? Donc c'est vraiment très très intéressant d'en discuter. Il y a vraiment des choses à faire, des choses à faire ensemble. Oui. Les agriculteurs sont déjà, utilisateurs ou apprennent à être formés à ces nouvelles données. Où est-ce qu'on en est dans ce projet AP3C? On en est que c'est vrai que grâce au... En fait, comme on travaille en lien avec les 11 chambres, les conseillers qui font partie du projet AP3C, du coup, sur chaque département, réalisent entre autres des formations à destination des agriculteurs pour leur faire connaître, en fait, la méthode AP3C. Du coup, ça peut aller parfois de modules de 2 heures qui présentent en fait le projet pour sensibiliser les agriculteurs jusqu'à des formations de 4 jours où là vraiment ils présentent les différents indicateurs, les différentes projections et après les conseillers travaillent avec les agriculteurs pour essayer de réfléchir
à comment ils peuvent adapter leur système et quels sont les leviers d'adaptation les plus intéressants à mettre en place sur leur exploitation et des leviers d'adaptation qui correspondent en fait à leur système. Du coup, ça va engendrer certainement des modifications de je vais pas dire de comportement, de travail de ces agriculteurs pour peut-être qui changer de culture, qui produire différemment, se réorienter. J'imagine que ça va certainement inspirer des changements de travail. Oui, bien sûr, oui. Mais en fait, c'est un peu le maître mot du projet, c'est d'être proactif et de oui, pas attendre que finalement voilà, plus rien ne pousse ou que tout soit emmené par des pluies torrentielles, mais c'est de s'adapter. Et en fait, c'est ça, c'est réfléchir à l'échelle du système. Je vous disais tout à l'heure que du coup, on a des données fines. L'approche en fait du projet, c'est vraiment de travailler du coup à une échelle climatique, à une échelle agronomique et à une échelle du système. C'est comment le système peut s'adapter à l'horizon 2050 sur la base des données climatiques produites dans le projet. Ça existe ailleurs en France, ce type de travail qui est fait pour scanner les évolutions météorologiques et donc déterminer quelles conséquences cela va avoir sur un territoire. Il y a d'autres projets qui existent sur cette adaptation au climat. Par contre, la manière dont on travaille avec un climatologue qui est mis à disposition sur le projet et ce travail qui est réalisé sur la base de données observées, on est le seul en France à travailler de la sorte. Bon, c'est à copier, quoi. Hein. Vous êtes prêt à donner toutes les clés du camion pour faire partager votre expérience. Je crois que les apiculteurs, vous me disiez en préparant cette émission, se servent déjà des données qui sont mises en œuvre, je crois. Non. J'ai commis une erreur dans mes notes. Peut-être. En tout cas, j'ai des collègues qui s'y intéressent, qui travaillent sur l'apiculture. D'accord. Vincent Allard, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a déjà des solutions concrètes qui sont un peu sorties de chez vous? On a vu qu'il fallait se pencher vers le futur, voir quelles étaient les bonnes variétés, faire les bons croisements. Il y a déjà à votre niveau des solutions concrètes qui sont mises en œuvre pour faire face à ces changements climatiques en matière de semences, en matière d'agriculture. On risque de vous décevoir, hein, quand même. Je tiens à préciser que c'est un travail de longue haleine. Hein, ouais, donc, ce sont des années et des années en fait. C'est des années parce que la stratégie est forcément longue. Hein, le but, c'est on le disait tout à l'heure, de screener un grand nombre de variétés pour aller identifier les caractères ou même les gènes. Hein. Quand on a des grands nombres de variétés, on peut aller jusqu'à cette échelle-là, qui explique les différences de comportement, et ensuite aller bien comprendre pourquoi, dans certaines conditions, ce gène ou ce caractère procure un avantage à la variété sous contrainte climatique. Et ensuite, ça doit être transféré aux gens qui font vraiment des variétés, les sélectionneurs, qu'ils soient privés ou publics. Et après qu'on le mette en œuvre sur les territoires pour voir si ça fonctionne bien, si ça répond bien à la réalité du terrain aussi. Tout ça, c'est un long processus. Tout à fait. Mais après, il y a aussi des nouveaux enjeux. On voit qu'il y a des réponses agronomiques, hein, des changements de pratiques, de l'agroforesterie, des mélanges variétaux. Et donc, à notre échelle, on a aussi l'objectif de développer des variétés plus seulement adaptées à de la production de blé classique, certes sous changement climatique, mais éventuellement adaptées à ces nouvelles pratiques. Des blés qui marchent bien en association, des blés qui sont adaptés à de l'agroforesterie par exemple. Merci à tous les deux d'être venus nous parler des choses qui sont faites pour que l'agriculture s'adapte aux transformations climatiques. Marine Niescuta, on rappelle, si on veut en savoir un petit peu plus, où est-ce qu'on se renseigne au CIDAM, projet AP3C? On a une page AP3C sur le site du CIDAM. Du coup, n'hésitez pas à aller la visiter, elle va évoluer dans l'année. Il y a déjà pas mal de données qui sont disponibles. Et sinon, sur les départements, vous pouvez directement contacter les chambres d'agriculture et il y a un conseiller à P3C sur les 11 chambres du Massif Central. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce sujet passionnant. Et puis, avant de se retrouver dans quelques minutes, je vous propose de regarder un épisode d'Aventure potagère avec un sujet passionnant, le poivron. À tout de suite. Je m'appelle Jean-Baptiste Fontaine, je suis chef de produit poivron. Mon métier consiste en la gestion de la gamme poivron dans mon entreprise, qui passe à la fois par le suivi du développement et le suivi des lancements commerciaux de nos variétés. Donc pour cette variété-là, cette photo, on est d'accord? On choisit celle-là? Oui. Parfait. Alors ce qui m'a donné envie de travailler dans le végétal, je pense que ça remonte à mes grands-parents, qui étaient agriculteurs en Bretagne. En tant que chef de produit, on est à l'interface avec beaucoup de services, beaucoup de départements et avec beaucoup de personnes. Je suis agréablement surpris parce que par rapport à l'année dernière, je trouve qu'on a pas mal progressé niveau résistance dans à peu près toutes les typologies.
On garde le même niveau de qualité qui, du coup, va nous permettre d'ouvrir sur d'autres marchés. Allez. Une fois qu'on a identifié les variétés intéressantes au niveau sélection, les plus intéressantes, on les met en conditions producteur. Et donc là, on arrive sur la fameuse variété expérimentale. Donc là, tu vois un très beau fruit, ouais, très bien conformé, dense, épais, lourd et une belle plante. Bien, ouais, et puis c'est uniforme sur la plante, ça c'est intéressant. Cette évaluation ou cette visite d'essai, elle se fait via une notation des plantes, une récolte, notation des fruits, pour vraiment réussir à comprendre le potentiel de notre variété et ses caractéristiques précises. Problème de cracking. Au global, chaque année, on doit avoir une cinquantaine de variétés en essai, un petit peu partout dans le monde, dans les différents marchés que l'on cible. Par exemple, je me déplace beaucoup en Espagne, en Italie, au Mexique, en Amérique du Sud, dans le Nord-Afrique. Pour mon premier poste, j'ai vraiment cherché à voyager, à visiter de nouveaux pays, rencontrer des personnes différentes, de nouveaux marchés. Moi, c'est quelque chose qui vraiment me tenait à cœur. Planifier, organiser, c'est critique, dans le sens où on gère un portefeuille qui est assez important, sur un périmètre très important, puisque moi je travaille à l'échelle du globe, et on travaille aussi avec du vivant, avec des cycles très précis. Et si on rate des semis, que ce soit au niveau production, au niveau mise en place des essais, eh bien vous avez tout le cycle qui se décale d'un cran. Et du coup, vous ratez des opportunités. Le rôle du chef de produit pour les outils de communication, c'est de vérifier la véracité des informations qui sont contenues dans ces supports, c'est-à-dire les résistances, les caractéristiques techniques, comme la typologie, la couleur, les cycles de production, et ce, pour l'ensemble de nos marchés. Une des raisons qui fait que ça m'intéresse particulièrement, c'est qu'au niveau sélection, on brasse tellement de diversité qu'il y a énormément de possibles. Et réussir à identifier le besoin précis ou la combinaison qui va marcher, avec le challenge derrière de qu'est-ce qu'on va réussir à en faire de notre produit une fois qu'il est identifié, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Retour sur le plateau de Village Semences à Clermont-Ferrand pour parler d'un sujet intéressant, la production de semences et la valorisation d'un territoire. Et oui, l'agriculture, c'est aussi ça. Et on va voir avec mes deux invités le rôle, l'action de la production de semences, de tous les professionnels qui sont dans cette filière et les conséquences positives que cela a sur le territoire, en l'occurrence la région de Clermont-Ferrand. Deux invités, Philippe Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable directeur régional sud-est de SEMAE. Vous connaissez évidemment bien la région et tous ces acteurs de la filière semences et plants. On va en parler avec vous. Et puis également en face de vous, Thierry Dumergue, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur multiplicateur au sud de Clermont-Ferrand, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans quoi? Quel type de semences? Maïs-semences. Maïs-semences, parfait. Donc j'ai une exploitation de 90 hectares en Limagne Sud, avec 50 hectares de blé pour la meunerie, 15 hectares de tournesol. Ah, ce sont des beaux chiffres, hein. Oui, 15 hectares de sarrasin en dérobé, c'est une culture un petit peu particulière. Et puis 22 hectares de contrat de multiplication de maïs-semences avec Limagrain. Donc un acteur du terrain. Philippe Roux, est-ce qu'on peut essayer déjà de faire un petit état des lieux, un portrait de la région et de la présence finalement de la production semences dans la région et donc la valorisation de ce territoire? Oui, tout à fait. Alors avant de revenir à l'exploitation de Thierry et de parler de la Limagne, puisque vous avez introduit la Limagne, je voudrais dire quand même deux mots sur la production de semences d'une région qui est plus vaste, que l'on appelle le sud-est, mm-hmm, et dont je suis le grand quart sud-est, voilà. C'est ça. C'est une grande région. Hein. Voilà. Parce que là aussi, dire le sud-est, il y en a certains qui vont dire « oui, mais c'est pas là, c'est là voilà. ». Alors le sud-est, bon, il y a deux manières de le décrire, soit d'un point de vue administratif, donc c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est la région PACA pour nous. On va aussi jusqu'en Corse, mais il n'y a pas de production de semences en Corse, il n'y a que des productions de plants. Mais d'une façon plus poétique, je dirais qu'on peut dire que c'est la production qui va des rives de la Méditerranée jusqu'à la vallée du Doubs, donc c'est une région très grande qui est encerclée par deux massifs montagneux, et on le reverra, qui sont importants pour la sécurisation en eau de ces productions de semences, donc qui sont les Alpes,
et le Massif central avec la plaine de la Limagne où je vous propose qu'on revienne tout à l'heure. Petite parenthèse, oui. Ça fait donc une diversité de territoires, de climats, etc. qui est très importante. Et justement, la particularité de la région, et c'est là où je voulais en venir avant de venir sur la Limagne, c'est que c'est une région où il y a une latitude très importante, puisque comme je vous l'ai dit, on va de la Méditerranée aux plaines du Doubs, donc c'est plus de 350 km de latitude, et c'est ce qui fait une des spécificités de la région, parce que ça permet d'avoir tous les types de précocité en multiplication de semences. C'est-à-dire qu'on va à des variétés très tardives en Camargue et dans le sud, à des variétés beaucoup plus précoces, et ça c'est une caractéristique importante de la région. Et pour vous donner quelques chiffres, vous avez 438 variétés de maïs qui sont multipliées dans cette région. Impressionnant. C'est impressionnant, tout à fait. Alors avec la région de Toulouse que vous verrez demain, je pense qu'on est les deux régions où il y a le plus de multiplication de variétés. Oui. 144 variétés de maïs, de tournesol, pardon, et 145 variétés de céréales à paille multipliées. Donc ça, c'est une particularité de la région, mais c'est aussi plus globalement, bon, je ne vous cache pas qu'on est un petit peu chauvin, mais d'une façon plus générale... Chaque région me dit ça, hein, oui, aussi, voilà, d'une certaine façon. Chez nous, c'est encore mieux qu'ailleurs. Voilà. Mais c'est quand même une particularité de la production française, de pouvoir multiplier grâce aux agriculteurs multiplicateurs, et Thierry en sera le témoin tout à l'heure, de cette diversité et de la capacité qu'a le réseau de producteurs français à multiplier beaucoup de variétés. C'est ce qui fait notre force, oui, par rapport cette à d'autres pays. Cette diversité là aussi. Hein. Cette diversité, et que l'on retrouve par la diversité des terroirs, et donc le terroir sur lequel on est, la Limagne, qui est, je crois qu'il faut quand même... Alors on dit la Limagne, c'est plutôt les Limagnes, comme l'a dit Thierry. Donc il y a la Limagne Nord, ce sont les terres... Alors encore une fois, vous allez dire que j'exagère, mais ce sont les terres les plus fertiles d'Europe. Hein, ce sont les terres noires de la Limagne du Nord, qui font la particularité de cette région et la richesse de cette région. Historiquement parlant, il y avait une implantation, justement, qui est très ancienne. Alors, qui est très ancienne, comme l'agriculture française, bien sûr. Alors après, il y a une coopérative très importante qui s'est développée sur ce territoire. Je pense qu'on en a déjà parlé, et ils nous accueillent aujourd'hui. On les remercie encore une fois de nous accueillir. Et cette particularité, effectivement, historique de multiplication de semences, c'était le choix de personnages importants de cette coopérative qui ont su investir dans d'abord la sélection, la production de semences pour leurs agriculteurs, mais pas uniquement. Au début, c'était une production de semences, bien sûr, pour leurs agriculteurs, leurs adhérents. Mais il faut savoir aussi que la production, alors c'est plus général à la France, mais c'est aussi le Sud-Est qui contribue. Il faut savoir que plus de 60% des productions de semences de maïs sont exportées dans l'Europe. Et le tournesol aussi, toutes les productions de semences de tournesol, c'est plus de 50% des productions de semences de tournesol qui sont exportées. Donc, et on le reverra tout à l'heure avec l'exemple de Thierry, c'est bien sûr une plus-value importante pour la région, pour le territoire, évidemment, pour les hommes et pour les emplois. Thierry Dumergue, je rappelle, hein, vous êtes agriculteur multiplicateur. Ça fait longtemps que vous êtes installé. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution de votre métier, de votre activité? Moi, je me suis installé il y a à peu près 30 ans maintenant. Donc au départ, j'ai commencé avec des petites surfaces de maïs. Et puis au fur et à mesure, j'ai développé énormément l'irrigation sur l'exploitation. Aujourd'hui, j'ai à peu près 60 hectares qui sont irrigables. Ça, c'est fondamental, évidemment. C'est fondamental, surtout dans la région de Limagne Sud. Et en plus de ça, donc, j'ai à peu près 100 mètres cubes et je passe à peu près 140 000 mètres cubes d'eau par an. Donc de toute façon, pour avoir du maïs semence, il faut avoir l'irrigation. Ça, c'est une obligation. On ne peut pas produire du maïs semence sans irrigation. C'est bien impossible. Évidemment. On avait juste avant vous, justement, un plateau sur les évolutions climatiques, hein, qui impactent la région, la France, le monde entier, bien évidemment. Là aussi, c'est un vrai sujet pour des professionnels comme vous, comme des agriculteurs. Oui, parce que ça fait depuis 3 ans qu'on subit quand même des sécheresses importantes. Et donc l'irrigation permet de pallier à tous ces problèmes. Votre métier, vos productions, où vont-elles? Philippe Rouen, touchez un petit mot, c'est destiné au national, à l'exportation? Le maïs sur mon exploitation, donc c'est 22 hectares.
Ça s'est transformé après par l'Imagrain qui trie, traite et ensache et vend les doses de semences. Et c'est vrai que les doses de semences, c'est à peu près 60% sur le marché de l'exportation. Quoi. Ça veut dire que sur mon exploitation, il y a 60% qui partent à l'exportation. Ça peut être Union européenne ou d'autres pays. Quoi. C'est beau d'avoir un chiffre comme ça aussi. Ça fait, on n'est pas toujours sur des marchés courts. C'est aussi local, mais vendre à l'export, comme on dit, pour toutes les entreprises et pour le monde agricole aussi, c'est important. Comment est-ce que vous voyez un petit peu le futur à votre niveau et puis du métier peut-être un petit peu, je veux dire, à travers votre regard À travers mon regard, c'est l'inquiétude vis-à-vis des grands débats de la société sur l'irrigation, sur les diminutions des pesticides, la suppression des matières actives. Dans l'avenir, ça va être très compliqué parce qu'on a du matériel génétique qui est très fragile, c'est déligné, et donc on a une obligation d'utiliser des pesticides pour pouvoir lutter contre les maladies, les ravageurs. Comment est-ce que vous voyez les recherches qui sont menées? On en a parlé régulièrement sur les plateaux de Village Semences avec différents invités, justement pour la création variétale, tendre vers des variétés qui consomment moins d'eau. Vous parliez d'irrigation avec la problématique sans eau, effectivement, on a du mal à faire de l'agriculture. Des produits qui résistent, des plantes qui résistent mieux à des agresseurs. Vous voyez ça comment? Comme un avenir justement vraiment intéressant pour le monde de l'agriculture de demain, pour ceux qui prendront un peu la relève peut-être? Oui, la création variétale, on attend beaucoup, mais elle ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais c'est vrai que sur des points très particuliers, ça peut résoudre un problème. Ouais, bien sûr. C'est de la recherche qui est longue, ça met de 10 à 15 ans. Et ça rentre au fil du temps dans les usages, dans les pratiques, mais évidemment, c'est long. Toute recherche scientifique, que ce soit pour un vaccin ou pour développer de nouvelles variétés, ça prend du temps. La nature, on ne peut pas aller trop vite non plus. Philippe Roux, si on se projette sur les perspectives un petit peu de la région, de la filière semences, des producteurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On est dans une bonne situation? Alors, les perspectives... Il y a des sujets d'évolution climatique, voilà. Ça évidemment, mais ça, tout le monde est contraint à ça. Alors, les sujets d'évolution qui sont particulièrement marquants, je dirais, et l'Allemagne en est un bon exemple. Thierry et d'autres acteurs ont parlé de l'importance de la production de semences de maïs, de tournesol. Et tournesol, on en reparlera tout à l'heure avec le débat suivant. Mais il y a aussi le développement de filières, de nouvelles filières, ou de filières qui sont remises au goût du jour. C'est la filière de production de légumes. Les légumes secs, et du reste, je crois qu'on vous a amené sur le plateau. Qu'est-ce qu'on a là à votre gauche? Des lentilles vertes. Deux petits récipients. Ne bougez pas, on les voit bien. Les lentilles vertes, elles se reconnaissent, elles sont vert foncé. Voilà, donc une des particularités. Les lentilles du puits, c'est ça, non? C'est les lentilles des volcans, terre de volcans. Je ne sais plus le nom exact, mais elles sont produites ici, à quelques kilomètres d'ici. Donc c'est aussi une volonté qui est accompagnée par la coopérative L'Imagrain, encore une fois, de développer de nouvelles filières en plus et en complément des filières production de semences. C'est important de penser à cette diversité du futur, qui est maintenant. Parce qu'aussi, il faut voir que la région, alors vous allez encore dire que je mets en avant cette région, mais nous avons des bassins de consommateurs importants. Puisqu'en dehors de Paris, notre région, c'est la deuxième région en termes de population. Il y a l'agglomération lyonnaise, Marseille, Grenoble et bien sûr Clermont-Ferrand, où il y a 400 000 habitants. Donc il y a aussi une volonté, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, de travailler aussi les circuits courts. Bon, on a travaillé un petit peu les circuits longs avec l'exportation de semences, mais il y a une volonté ici au niveau de la région de développer des circuits courts et avec le regain d'intérêt pour les légumineuses, de développer... Alors, les légumineuses, on en a parlé aussi, mais aussi des filières légumes pour approvisionner l'agglomération clermontoise. Donc ça, c'est des nouvelles pistes. Ces productions locales avec des produits, effectivement, produits localement, c'est quelque chose qui est clair qu'on voit de plus en plus dans ce Tour de France qu'on fait, nous. Il y a une vraie intention comme ça de faire ressortir des variétés et de reproduire localement. Et puis un deuxième point aussi sur lequel je voudrais insister, on en a peu parlé pour l'instant, mais aussi une des particularités de la région, c'est d'être clairement dans la démarche de production de semences pour l'agriculture biologique. Alors, c'est une tendance qui est nationale, mais qui est aussi, bien évidemment, la région l'accompagne. Et c'est une préoccupation de tous les acteurs locaux d'aller dans cette direction pour satisfaire un besoin et une demande des agriculteurs et des consommateurs.
Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce sujet-là, de la production des semences et de la valorisation des territoires. Et puis, comme vous le disiez, Philippe, voilà, c'est une région où il y a beaucoup d'habitants. Les Français ont peut-être un peu envie de quitter les grandes métropoles, après ce qu'on a vécu, de redécouvrir les régions de France, venir peut-être s'installer ici. C'est pas mal. C'est pas mal. Par exemple. Hein. Et là, vous me tendez la perche parce qu'on a parlé beaucoup de grandes cultures, mais il ne faut pas quand même oublier qu'on est dans le Massif central, dans le Puy-de-Dôme, et que c'est quand même aussi une région d'élevage, avec des noms célèbres comme le Saint-Nectaire, la Fourme d'Ambert. Oula. Donc il faut aussi, les saluer. À cette heure-là, des noms comme ça inspirent à quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. C'est donc une région très riche de sa diversité, oui. Et c'est ça qui est important aussi. Merci à tous les deux d'être venus donc parler de ce sujet-là. Petit retour de quelques minutes à Paris et on se retrouve une dernière fois ici à Clermont chez l'Imagrin pour parler de quelque chose qui se grignote, même si on ne va pas vraiment en parler tel quel. C'est le rôle entre les apiculteurs et les agriculteurs à travers les abeilles et puis le miel aussi.